Salut à tous, Boxing Mag TV avec Bad Belaja pour la promotion des sports de combat et les arts martiaux ce soir. Je suis invité par la team El Beja Boxing pour un événement multi-box du Pancras, de la boxe anglaise et du K1. Bonsoir, merci d'être venu. Donc, on présente une soirée de boxe anglaise, boxe K1 et un combat de Pancras avec les gars de la région. On a là aussi la chance de recevoir Hassan Emdam, qui est parrain de la soirée, Jérôme Le Banner. C'est très, très intéressant pour nous et on est très content de ces accueils. Merci encore à vous, j'espère que ça va être une belle soirée. Là, je suis content, le monde arrive petit à petit. Donc voilà. Effectivement, vu le monde et le beau plateau de Najid, ça va être une très belle soirée. Merci Najid, à vous. Bonne continuation. Un plaisir. À tout à l'heure. Merci. Bye. Il y a l'Italie, il est âgé de 28 ans, il mesure 1m88, a pesé à 105 kg, il a plus de 60 combats au compteur, il a été successivement champion du monde de full contact et également champion du monde de Muay Thai. On accueille Luca Tanto. C'est un champion du cru, il a pratiqué pratiquement toutes les boxes qui est moins sociétaire de la structure El Beja Boxing Academy de Tours et également du Hiroshima aux Pays-Bas. Il est âgé de 30 ans, il mesure 1m97, il a été pesé à 106 kg. Il va effectuer ce soir son 43e combat. Le palmarès comporte 20 victoires, dont 14 venues à la limite pour seulement 13 défaites. Plusieurs victoires à son actif dans les tournois réputés et glorieux connus. 3 fois champion d'Europe de Muay Thai, 2 fois champion du monde dans la même discipline. Un des plus gros et un des plus grands, les plus beaux de vos champions de ces dernières années, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allez, tout le monde debout pour venir en beauté et accueillir. Broken tackle. Yes!
de la première. Deuxième reprise. On va faire vite fait. Je suis très content pour Brice, il fallait cette victoire pour sa tête, pour son club, pour Xavier. Je suis hyper content pour lui. Vraiment, vraiment content. Next one, on ne sait pas, on verra. Boost. Déclaré vainqueur de ce super fight par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. On a vu, on a assisté vraiment à une belle soirée, très belle soirée qui a promis, qui a tenu toutes ses promesses, et on pense que dans le futur on en fera encore mieux, et que nous continuons à suivre les sportifs tourangeaux, et qu'on pourra offrir au public de Tours les combats de grands talents comme ce soir. What do you think for this fight?
It's a very difficult fight. With Brice, it's a very strong fighter. Luca, it's a few training, but 1 month. But it's okay for your revenge. Okay, okay. Jean-Pierre Chalvez, arbitre international, responsable du combat des deux protagonistes. Combat bien engagé, hein, avec la victoire de Lindo. L'Italien comptait 3 fois, ok, j'ai arrêté parce que là sur le dernier il n'en voulait plus, il était touché au corps et il était vraiment, je pense qu'il était en danger, donc il valait mieux arrêter. Hein, il a été touché sévèrement, donc je pensais qu'il... Mais un bon fight, hein, ils se sont éprouvés tous les deux tour à tour, donc un beau combat. Donc bah voilà, la soirée se termine avec satisfaction, on a vu qu'on a eu du monde, on est super content. Mon ami Hassan est là, mon frère ami, et c'est une première tous les deux. On en fera mieux, faut croire en nous. On est là pour la boxe, soyez avec nous. Les gens qui ne nous ont pas cru au début, et voilà le résultat, une bonne petite soirée. Et on a assuré au niveau d'une soirée qui n'est pas évident, hein, surtout dans cette région. Et voilà, on vous attend, on est ouvert pour toute discussion. Et voilà, un clin d'œil à Boxing Mag TV. Merci. Et moi, tout simplement, je te tire mon chapeau parce que tu as été comme un boxeur sur un ring. À chaque fois qu'il y avait des coups bas, tu arrivais à rebondir. Et aujourd'hui, on a eu une très très belle soirée, Nejid. Merci pour ce que tu fais pour la boxe, pour les boxeurs. Car l'intérêt aujourd'hui et ce soir d'un gros gala, c'était les boxeurs et pas nous. Et franchement, on a réussi. Et on espère que pour la suite, on pourra offrir au public de Tours et voilà, des gros événements. Et on sera là, on donnera tout pour ça. Et merci à Boxing Mag TV de nous avoir suivis depuis le début, de la promotion jusqu'à maintenant. Bravo à vous, on continuera toujours à vous suivre dans vos événements parce que vous méritez très très bien.